Eh bien, salut tout le monde, c'est Jay la Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de notre Let's Play sur Batman Arkham Knight. Je suis très content pour la simple et bonne raison que, enfin, j'ai pu tourner un épisode presque juste après. Disons, je pense que ça fait 2 jours ou 3 jours que j'ai enregistré l'épisode 11. C'est un miracle, c'est un vrai miracle et c'est aussi un record, je pense, pour ce Let's Play-là. Donc, il faut fêter ça, hein, mettre un j'aime. Non, mais sérieusement, il faut fêter ça. Pourquoi je pars dans le menu? Tout simplement parce qu'il y a de l'action. Dans le dernier épisode, on s'était laissé dans un couloir et là, je me retrouve dans une pièce. Dans une autre pièce, carrément, tout simplement. Faut croire que j'ai passé là-dedans. Je savais pas. Je savais pas que j'avais passé là-dedans, mais bon. Le jeu m'a fait loader un peu plus loin que ce qui était prévu. Tout simplement. Là, on a un drone. Je devrais chercher un autre terminal de stabilité à pirater. Oui, c'est ça. Tu vas là, tu prends ça. Il faut que je me rapproche. Il faut se rapprocher. D'accord, on va se rapprocher. C'est pour ça qu'on a le drone. Laisse-le venir. Voilà, on va pirater le drone. J'ai téléchargé les codes. Je peux viser le drone ou ses cibles désignées pour le retourner contre elle. Multimidation par intimidation. Ah, je peux faire une... Ok, fait que les intimidations, faut être perché. Puis en plus, ils s'en vont. Oups, non, elle a utilisé, non. Voilà la console. Ah. Je dois neutraliser les ennemis dans la pièce avant de l'utiliser. Oh. Le chevalier avait raison. La visite. Il avait juste. Je cherche. Mais ça fait juste 3 jours, je cherche déjà mes boutons. Je pensais pas que ça m'emmènerait sur un autre niveau. Je pensais que je pourrais aller dans les conduits de ventilation. Allez, on retourne en haut, on va faire une élimination par intimidation, vous allez voir. Quand c'est installation de tourelle? J'ai quelque chose à vous dire, hein, mais je pense que je vais... Est-ce que je suis capable de parler en jouant? Bon, oui, je suis capable de parler en jouant. Attends, par contre, je dis ça, puis je cherche... Voilà, c'est ça que je cherchais. Je l'ai dit, mais c'est pas trop vrai. Ben, jusqu'à un certain niveau, disons. Ah oui, merde, il s'est relevé, là. Le drone, il sert à rien, en fait. Il tue pas, le drone. Ben, lui, je peux le plaquer silencieusement, je pense. Donc, oui, ça se peut que je fasse de la merde. Parce que, là, j'ai de quoi vous dire. En fait, j'hésitais énormément. Je peux pas faire intimidation. Super Ninja, tu débarques, tu tues tout le monde. Non, tu tues personne, mais c'est Batman, là. Mais bon, je vous avais compris. Oh, lui, il saute en bas. Il prend même pas l'échelle. Lui, il remonte. Lesquels? Ils ont tous des guns. Je peux pas... Attends, je peux pas prendre... genre la tyrolienne puis les accrocher ou quelque chose comme ça. Non? Lui, il est isolé. Oups. Ouais, je suis spoté. Ils m'ont pas perdu. Je fais comment pour rentrer là-dedans, moi, là? Pourquoi il me le dit pas? Ah. Voilà, là, normalement, je devrais aller dans les tuyaux de ventilation. Parfait. Ça, je suis pas mal... Pas mal bon, hein. Oups. Non, ils sont trop nombreux. Allez. Ça serait tellement plus rapide s'il nous tordrait le cou, là. Ne laissez pas quitter le dirigeable.
Allez. Juste à côté de l'autre. Allez, vite, 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 vite. Hop là. J'ai vu quelque chose bouger sous le sol. Non, non. J'ai dû rêver. Ouais, oui. Allez, on se pose. Par contre, ils sont toutes là. Oh. Donc oui, je voulais dire, j'hésitais beaucoup. Oui, je peux pas faire... Mais pourquoi je peux plus faire... Mais... Attendez. Attendez, est-ce qu'il y a un moyen à quelque part? Tu te commandes la manette. C'est pas une... C'est fou parce que au début de jeu, je pouvais tout le temps faire des éliminations par... Si vous savez dans les commentaires, dites-moi pourquoi des fois je peux pas faire de multi-élimination par intimidation. C'est vraiment le truc le plus cool qui existe. Ah. Pourquoi là je pouvais. Ok, là je pouvais, très bien. Je sais pas c'est quoi qu'il faut en fait pour qu'on ait le droit de le faire. Ah, il check pile là où je suis arrivé. Ah, il pense encore que je suis en bas. Mais non! Mais non, mais Batman! T'es con! Mais t'es con, mais t'atterris pas en face du gars! J'arrivais juste en face de lui. On va les avoir comme ça. Donc oui, j'hésitais. Ah, oh, je pense qu'une élimination silencieuse, c'est justement avec le grappin. On va essayer. Je peux pas. Donc ouais, je sais, j'arrête pas de me répéter, mais parce que je réussis jamais à finir ma phrase. J'hésite énormément parce que, bon, je sais que ceux qui regardent les épisodes de Batman, c'est... Wow! Wow! Ben oui. Parce que, bon, je sais que ceux qui écoutent les épisodes de Batman, c'est des gens... C'est... En gros... Les viewers que je pourrais appeler comme de fidèles, hein, ceux qui sont... Les plus... ben, les plus fidèles, hein, tout simplement, parce que... Y a pas beaucoup de monde qui le regarde, le Let's Play. Et je sais que ceux qui le regardent, ben... Voilà, hein, c'est ceux qui sont les plus actifs, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que je demande, que je vous demande ça dans ces épisodes-là, parce que je sais que ça concerne le prochain Let's Play. Et je sais que ceux qui regardent le Let's Play sur Batman, c'est ceux qui sont le plus probables de regarder mes prochains Let's Play. Donc, je me demandais beaucoup. Maintenant que la voie est libre, je peux utiliser cette console pour désactiver les défenses du dirigeable. Est-ce qu'il va parler ou je vais pouvoir continuer? Bien joué, mais allez, à vous. Grâce à la nouvelle tenue, hein. Le héros a Un scanner limite l'accès au système d'armement uniquement aux empreintes digitales de Stagg. Sans ces empreintes au complet, je ne pourrais pas entrer. Les caméras de vidéosurveillance me seront peut-être utiles. Je devrais analyser la vidéo pour voir si les mains de Stagg ont touché quelque chose pendant l'enlèvement. De là, je pourrais peut-être reconstituer ces empreintes. Tu vas chercher ça loin, hein. Bon. Là. Il n'y a rien ici. Je dois trouver des surfaces qu'il a touchées pendant son enlèvement. Bah, il touche pas. Stagg doit avoir laissé une empreinte au sol. Ici, je devrais examiner d'autres endroits qu'il a touchés. J'aurai plus de chances de trouver la totalité de ses empreintes. Ok, cette caméra-là s'est épuisée. Il a touché le sol après être tombé dans les escaliers. Je dois chercher d'autres empreintes. Si on pouvait trouver des empreintes digitales sur le sol de même... Attends, peut-être qu'il a touché à autre chose dans ce...
Non. Ah, mais il bardasse, hein, un peu. Ben, beaucoup, même. Il a encore touché à terre. Stag a laissé une empreinte. Près de ah, la c'est cool, pareil. Pièce. Il me faut plus d'empreintes pour finir la reconstitution. Je me doutais bien qu'on aurait besoin de la dernière caméra. Donc, ouais, je me demandais ça dans ce let's play là, parce que je sais que ceux qui regardent le let's play, c'est ceux qui ont le plus de chances de regarder les prochains let's play, tout simplement. Et je me disais si. Il a touché cette rampe quand il s'est redressé. Je sais où Stag a laissé ses empreintes. Je n'ai plus qu'à scanner ses emplacements. Je me demandais si vous aviez envie, en fait, de. L'analyseur d'indices. Ouh, j'avais oublié ça. Alors, c'est quoi le plan? Reconstruire les empreintes digitales à partir de ces... J'ai une empreinte d'index. Ok, c'est pour ça que encore trois lieux, c'est doublement pénible de prendre si longtemps pour faire Batman. Pas que le jeu il est pas bon, mais c'est qu'en même temps, j'aimerais faire deux let's play en même temps. Faire l'autre en plus de Batman. Mais... Attends, est-ce qu'il faut que je réanalyse de quoi? Mais je peux pas, il y aurait un épisode par trois mois. J'ai déjà scanné cette empreinte. Je devrais en trouver une autre. Fait que, bon, voilà. C'est pour ça que je vous demande votre avis. En gros, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça vous dérange d'avoir un épisode par deux semaines ou vous aimeriez qu'il y en ait plus? C'est tout. Si ça vous dérange pas, je vais faire deux let's play en même temps. Si ça vous dérange, ben... voilà. Je vais les faire un après l'autre. En même temps, ouais, c'est ça, j'ai terminé en même temps. La reconstruction de l'empreinte du. C'est fou comment j'arrive encore pas à me concentrer. À analyser. 3 ans sur YouTube, je suis toujours pas capable de parler comme du monde en jouant. En même temps, c'est ça, Batman, t'es tellement entouré. Quand tu joues tout seul dans ton salon, ça doit il être génial. Il a laissé les empreintes de son annulaire et de son auriculaire à cet endroit. Il reste encore une zone. Ça doit être vraiment génial, mais pour faire un let's play, c'est assez le cancer. Franchement. Trouver du temps pour placer une phrase là. Ben voyons. Mais pourquoi t'as désactivé les choses? Oh, il y a des singes. Ah ben, il y a des singes. Bon, il reste. Ok, il a désactivé tout seul l'analyseur d'indice. Non. Je peux pas marcher plus vite. Bon, ok, fait qu'on a analysé celle-là, on peut pas descendre parce qu'il désactive. Je me souviens, il l'avait pitché ici. Bon, ça doit être par là-bas, plus loin. Il doit être quelque part par ici. Non. Ah, non, non, j'ai déjà fait celle-là. Mais voyons, t'es où? Stag! Le professeur Stag. Je suis pas capable de. Je m'essayerai pas à faire l'accent allemand parce que je suis trop mauvais. Vous allez avoir honte. En plus, je sais que la plupart des gens qui me suivent, c'est des Européens. Vous êtes 1000 fois meilleurs que moi pour faire l'accent allemand. Au Québec, il y en a pas d'allemand. Il y a personne qui parle allemand au Québec. Tout le monde s'en fout de cette langue-là. J'ai une demi-belle-sœur, je sais pas comment appeler ça, qui a appris l'allemand, juste pour le plaisir, mais c'est tout. Mais bon, j'aurais bien aimé que le professeur Stag ait une voix d'allemand, un peu comme scientifique fou Captain America, là, vous voyez le genre? Bon, par contre, je sais pas où aller. J'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai lui en haut. Mais à chaque fois que j'essaie de descendre, il te désactive. Donc en gros, j'ai compris, c'est bon. Ils sont sur ce niveau-là. Mais il y a de quoi que j'ai manqué. J'ai manqué quelque chose. Clairement. Il y a de quoi que je comprends pas. Mais voyons. Attends, faut que je vais re-regarder les caméras parce que... Le système de sécurité requiert les empreintes digitales. Oui, de bon. Sans elles, je voulais juste refaire le chemin qu'il avait parcouru
parce que je trouve pas le dernier. Peut-être que vous l'avez vu, puis que dans les commentaires, vous êtes déjà en train de créer des insultes. Mais moi, ben, je l'ai pas vu. T'as elle? T'en as pas là-dedans? Regarde, c'est sûr, c'est pas en bas. Parce qu'il me désactive l'analyseur. Il me met la vision Assassin's Creed. Bon, on va en profiter pour aller voir les singes. Ah oui, il fait des expériences sur vous. Hein. C'est triste, pareil. Les singes, c'est des animaux intelligents. Mettre en cage de même, c'est pas comme mettre un cochon d'Inde en cage, disons. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est des animaux qui ont besoin d'un peu plus d'espace. J'ai parcouru tous les niveaux où il voulait bien sortir son analyseur. Je sais pas quoi vous dire. Il y en avait 4, j'en ai 3. L'autre, il est où? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je suis pas fou, là! C'est le néon qui fait ce bruit-là. Je suis pas fou, t'as ces deux-là. Ah, mais je suis aveugle. Mais attends, mais je suis passé devant combien de fois? Attends, va falloir que je regarde dans la vidéo. Hein. Système informatique de Stag maintenant. Faut vraiment falloir que je regarde ma vidéo pour voir combien de fois je suis passé devant. Parce que je savais que j'étais aveugle, mais pas à ce point-là. Tu vas utiliser la construction des empreintes de Staggy pour accéder à l'ordinateur? Oh, quelle idée brillante, Patou! Oh, dis donc, juste après, on pirate son compte sur rancard.com. Pourquoi pas? Je ne peux pas désactiver les tourelles de l'autre dirigeable. Il a prévu tout hein, sur son équipement, Batman. C'est drôle, c'est comme si Batman jouait... Les armes ne sont plus un problème. Passons à l'épouvantail. Ok, tu viens de les détruire? Ah, carrément. Ok, bon, bah, t'as fait ça sans moi. Ok. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Si tu veux pas de moi, t'as plus besoin de moi. Batman est devenu indépendant. Il a plus besoin que je le contrôle. Il fait le jeu tout seul. Nous, on va le regarder. Bon, on va... Tu veux pas? Non, tu veux pas? Attends, non, c'est ça. Ah oui! Ah, ben... Ah, ça mérite un... Si j'y pense, je vais faire un ralenti sur ce pirouette-là, parce que c'était beau. Franchement, le flip avant, puis atterrir là-dessus, là, c'était beau. Bon, faut aller là-bas. Comment on fait? Parce que, je vais bien dire, mais moi, je le connais pas par cœur, hein, le dirigeable. Je travaille pas ici depuis 10 ans. C'est quoi? Faut prendre un ascenseur? Faut prendre des escaliers? On va logiquement aller par là-bas? Non, c'est le coin de la pièce. On va tout... Hop là, et Batman, moi j'accroche des boutons puis il m'obéit au doigt et à l'œil. Hein. Ben voilà, il y a de quoi détruire ici. Je sais pas où c'est que ça mène. Ça mène juste à d'autres cages. On va quand même les péter parce que... Parce qu'il y a de quoi à péter. Hein. Quand il y a des trucs à briser, on les brise. Dégage la porte. Non mais elle se permet. Hein? Il y a d'autres trucs. What? Ah mais il est mort. Ah mais lui aussi il est mort. Ah bah oui c'est vrai, ils sont tous morts. Bon. Je me demande s'ils sont morts à cause des expériences. Ou si c'est les méchants qui les ont tués. Pourquoi je viens ici? Ok, mais ça sert à rien. Mais moi, je pensais que ça menait à des escaliers, je sais pas. Bon, ok, attends. On va descendre de... Ah. Voilà, on va descendre de niveau. C'est toujours pas suffisant. Je suis où, là? Ok, c'est juste un carré perdu. Je veux juste sortir. Ah...
que si je reviens par le... Non, pas là. Si je reviens par là où je suis arrivé. Probablement. C'est probablement ça. J'imagine que je suis arrivé par là. Hein. Le jeu m'a emmené ici. Ah ben oui, c'était ça. Monsieur, concernant l'identité de ce fameux chevalier d'Arkham... Qu'avez-vous trouvé? Rien, monsieur. Parmi les anciens détenus d'Arkham City qui ont disparu dans l'évacuation, aucun ne correspond au profil. Il faut élargir. Quand le Joker a pris Arkham, des dizaines de détenus se sont enfuis. Cherchez des hommes jeunes avec un vécu militaire. Je télécharge les fichiers, monsieur. Des hommes jeunes avec un vécu militaire. Je sais pas, l'asile, il est gros comment, mais c'est très, très, très large. Bon, les énigmes de l'homme mystère, hein, voilà. On va amener, là. Serait-ce un ascenseur? Non, il fume. C'est pas une bonne idée. Oui, bien sûr. Je m'y rends comment? Le jeu! Non. Faut pirater ça, ok. Ma connexion aux commandes d'inclinaison a été coupée. C'est pas ce que je voulais faire. Je me trompe tout le temps. Je fais tout le temps... Ça ne marchera pas. Je ne suis plus connecté aux commandes d'inclinaison. Je fais tout le temps L1 pour sortir les trucs. Bon. Je sais pas pourquoi. L1, c'est dans quel jeu que ça te permet de sortir? C'est dans Assassin's Creed? C'était Roll. D'accord, c'était Roll. Très bien, c'était Roll. C'est vraiment les mots de passe les moins originaux au monde. Qu'est-ce que tu m'as fait, bordel? C'est pour t'aider, idiot. Maintenant, celui qui te touche, il se prend 1000 volts. Les tenues de combat... Ah bah, c'est con, ça, parce que... charge électrique temporaire. Je ne peux pas les frapper tant que c'est le cas. C'est con ça, parce que... Il fait comment pour aller pisser? Non mais c'est... S'il faut qu'il se décharge à chaque fois, en tout cas... Je sais pas comment tu peux te décharger. Ok, qu'est-ce que j'ai qui peut être utile? J'ai arrêté de dire de la merde. On va commencer par... Ok, ils ont pas d'armes. Ça c'est les combats que je préfère quand ils ont pas d'armes. Ça veut dire qu'on peut rentrer dans le tas. J'aime bien rentrer dans le tas. Je peux pas avoir accès à la Batmobile. Il y a pas de drone. Ben, le fumigène est toujours utile, mais pendant le combat... Ce nom. Bof. Bon, ben, j'ai aucun équipement. C'est quelque chose pour le désélectrifier. Comment je vais faire pour le frapper? Ils m'ont prévenu, ça veut dire qu'il faut que je me prépare, mais. Préparer à quoi? Bon, ben, on y va. C'est parti. Utilisez le bâtiment. Ah, ça l'a déchargé. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça m'avait manqué ça. Ah, il se recharge. Ça pose problème par contre. Oh là! Vous disiez, messieurs? Lol. Ils sont cute. Ah, ça, c'est vraiment les combats que je préfère. J'ai pas de résumé, c'est pas fini. Ah! Ils m'ont un peu surpris. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Wayne, mais une autre amélioration pour la voiture est disponible si vous êtes intéressé. Parfait. Bon. IEM. Régénérateur des armes. Non, générateur. Là, voilà. Bon, on va aller voir. C'est... L'impulsion électromagnétique neutralisera les véhicules à proximité ainsi que les missiles en approche. C'est l'arme idéale dans les situations délicates. Ouais. L'amélioration du générateur des armes permet de surcharger les armes secondaires de la Batmobile.
pour une puissance de feu considérable. Mais c'est quoi les armes secondaires? Tu parles de la mitrailleuse? Parce qu'on s'en fout, la mitrailleuse, elle sert à rien. Si ça surcharge le canon, ça, c'est bien. Bon, on va prendre ça. Je suis sûr que votre arsenal est assez puissant comme ça, monsieur. Mais il vaut mieux voir large, parfois. T'es-tu en train de me dire que j'ai fait une gaffe? Ah moi, c'est mode assaut, hein. C'est pas si difficile que ça, éviter les missiles. De toute façon, on s'entend. Je me connais. Je vais trouver plus facile d'éviter les missiles naturellement que de trouver le bouton pour activer l'IRM. Bon. Il y a deux affaires qui se piratent. Hop, j'ai pensé au bon bouton. Je n'ai pas pesé sur L1. Macromo. Macromolécule, ok. C'est quoi ça? En tout cas. Je vais pas me faire attaquer là. Ok, je vous disais au dernier épisode, j'espère qu'on fera pas plein d'énigmes dans l'autre dirigeable parce que sinon, ça risque d'être un peu chiant. Oh, c'est cool! Mais il était pas au-dessus de la ville, les dirigeables. Non, ils sont toujours à la bonne place. Mais ils sont... Oh! Puis je sais toujours pas comment ils font pour flotter, hein. Coup de pied en planant par là. Ok, on va planer à travers tout ça! Moi, je dis qu'est-ce qu'ils me disent de faire. Hein. Ah, c'est efficace. Ben oui, il y a... Non. Pourquoi tout est ralenti tout à coup? Ah! Ninja! Oh! Comment je t'ai eu, mon gars? Oh, c'était beau, ça! Oh, le gars, il a plié en quatre, là! Oh, j'ai fait des... voilà. Je m'en avais dit, j'ai fait un Lego avec, puis je me suis rendu compte, juste avant de le dire, que des Legos, ça se pliait pas. Fait que c'était vraiment... Tu vois, ça, c'est ce que j'ai fait avec son cou. Je l'ai plié. Non, non, il n'est pas plié ce coup-là. En tout cas, je sais pas à quoi c'est supposé ressembler. Mais. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est des vrais squelettes ou. Mais c'est horrible! Mais c'est légal tout ça? Non, parce que moi, j'ai pas envie de finir dans une bulle là-dedans. Hein. Même si je suis mort. Je veux pas que mon squelette soit. Comme ça, là, je sais pas, ça m'intéresse pas. Ok, là, c'est rendu qu'ils font des aliens. Ça, là, c'est un alien, ça, là. Ben, coudon. D'accord, juste au-dessus d'une ville américaine, ils font des expériences pas très gentilles. Ça s'aspire là-dessus. Ah. Attends. Ok, je pouvais péter tous les autres. Je sais pas à quoi ça sert. Ok, lui je peux pas. Attends, peut-être. C'est peut-être l'anneau qu'il faut tirer. Peut-être que l'onde de choc. Je sais pas à quoi ça sert, hein, mais je m'essaye. Si on pouvait péter les autres, il doit bien avoir une raison. Tu vas pas me faire croire que... qu'on a libéré des insectes pour rien. Faut croire. Ok.
Ah, oh, mais ouvrir porte. Comment se compliquer la tâche pour rien? Ah, ben non. Évidemment. Très bien. Ok, on va faire le mode Assassin's Creed. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Et voilà. Oups. Combien de fois j'ai dit voilà d'affilée? Je sais pas. C'est ça. Je suis tout le temps perdu avec les équipements. Mais je suis pas fan des gadgets. C'est comme pas ça qui me fait triper dans Batman. Votre attention, s'il vous plaît. Les gadgets. Notre vieil ami, Monsieur Stagg, a manqué à son devoir qui consiste. Attends, c'est l'épouvantail qui dit ça. Ils ont oublié d'y mettre sa voix. Nous allons devoir nous en occuper nous-mêmes. Ou sinon, il y a pas je son veux masque. Des hommes au laboratoire de recherche pour transporter les cellules d'énergie et charger le dispositif. Et je veux encore plus d'hommes pour les défendre. Ne me décevez pas. Oui, mais si t'as pas engagé assez de monde, c'est ton problème. Hein? Non, parce que il dit je veux des hommes pour ci, je veux des hommes pour ça. Mais oui, mais pour avoir des hommes, faut que t'en engages. Si t'as pas engagé assez de personnes, ben, c'est ton problème. Ça, c'était jaune. Très bien. Très bien. Ah, je vois. Et d'un... Allez. Oh là. Allez. Allez, elle va péter. Allez. Oh, hop, hop, oups. Désolé. Je voulais pas. Ok, elle est tombée dans l'eau, c'est pas pire. Je peux pas remonter dans l'autre dirigeable. Ok, fait que je peux théoriquement monter des dirigeables quand je veux maintenant. Analyser l'emplacement du trophée. Ok. Ok. Bon, on va aller péter ça là-bas. Attends, il y a une porte ici. Non, c'est verrouillé. Comment tu fais pour savoir que c'est verrouillé? Je le sais pas. Il y a de quoi qui est pétable ici. J'aime pas le son. Je voulais pas jouer à un jeu d'horreur à la base. Et je suis tombé en plein dans une énigme de l'homme mystère. Ben tu sais quoi? Par principe, on la fera pas. Par principe, on la fera pas. Parce que dites-vous que l'homme mystère s'est pété le cul à installer en prévision de ce qui allait se passer au-dessus de 300 énigmes. Attends, c'est-tu 300? Non, c'est pas ça que je veux faire. Je me souviens plus de millions d'énigmes, en tout cas, qui ont installé juste pour que Batman les fasse, juste pour le faire chier. Puis moi, je les fais pas. Moi, je passe à côté. T'imagines-tu comment il doit être mad? La nouvelle formule est une merveille. Le gaz traverse les vêtements et s'imprègne dans la peau et les yeux. Les masques à gaz ne servent à rien. Les résultats sont terrifiants. C'est pour l'associer au déluge, le potentiel est absolument énorme et lucratif. Et pourtant, le docteur Crane refuse de s'intéresser aux opportunités commerciales. Il veut gaspiller notre travail, mon travail, pour une vengeance. Il est temps de mettre fin à notre collaboration. Je devrais quitter Gotham avant qu'il revienne. T'es pas obligé de le dire, genre dans un micro. T'as su la même chose, hein? La nouvelle formule est ah oui, une okay. Merveille. Ça. 3 septembre. Quand le docteur Crane est venu me trouver, j'ai cru qu'il avait enfin compris la valeur de son expertise en chimie. Mais non. Il s'entête à être l'épouvantail. Ce fou inventé. Ok, c'est le docteur Crane. Je connais pas. Je sais pas c'est qui. Son propre camp et il l'utilise pour effrayer les gens.
D'accord, Dr. Crane. Je poursuivrai vos travaux sur le déluge. Mais je continuerai aussi à travailler sur votre toxine. C'est une mine d'or, et je le lui prouverai d'une façon ou d'une autre. Avec le Dr. Crane, qui est probablement quelqu'un que ceux qui sont au courant de l'univers Batman connaissent probablement, moi je le connais pas. Donc c'est lui l'épouvantail. Puis lui, il a fait tout ça pour se venger. Il a construit deux dirigeables, il a engagé des hommes pour plusieurs milliards de dollars, juste pour se venger. Il voulait, hein. Il veut vraiment... Les tests sur l'homme n'ont pas donné les résultats escomptés. Le déluge fonctionne parfaitement, mais j'ai temporairement omis de le mentionner au Dr. Crane. Je préfère d'abord peaufiner sa formule. T'intègres ça à du sang de Joker, là. Hop là, c'est barré. Évidemment, tu peux pas tout faire exploser avec 300 tonnes d'explosifs que tu pourrais... Attends. Oh non, on en a pour des heures. Là, ça permet... C'est important, je trouve, pour l'histoire. Patient numéro 4, 2 semaines après l'exposition. Comment ça va aujourd'hui, Daniel? Il n'y a pas de tête, Daniel. Daniel, voudrais-tu rentrer chez toi? Il n'y a pas de tête. Ah, ben oui, c'est ça. Oh, il y en a une. Légère terreur, dégâts irréversibles, ce n'est pas encore suffisant. Il y a un trophée dedans. Sérieux? Mais à quoi ça sert, ces cellules-là? En fait, nous avons été contraints d'attacher le patient, n'est-ce pas, Monsieur Huxley? Je vais t'en sauter! Ah oui. La toxine de terreur peut présenter un danger pour vous et vos proches. Une exposition prolongée à la toxine de terreur peut provoquer de violents traumatismes psychiques. Ah, je t'assure, Bateau, ces spots publicitaires sont de mieux en mieux fichus. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Alfred. Ou pour rien comprendre, mais c'est intéressant. Sur un projet portant le nom de Code Déluge. Mais dans ce cas, monsieur, pourquoi l'épouvantail attaque-t-il Stagg? Stagg a dû essayer de le doubler. Il veut le dispositif. Je vous débloque l'accès au réseau informatique de Stagg. Cherchez ce que vous pouvez trouver sur le déluge. Je veux savoir ce que c'est. Entendu, monsieur. Donc en gros, on est entré dans les dirigeables de... d'Umbrella Corp. Ils font des armes biochimiques, là. Ben là, c'est juste chimique, je pense, en tout cas. Ouais, moi, je suis pas un scientifique. Moi, tout ce que je fais, c'est de trouver des mots de passe... de macromolécules d'ionisés, oïdes, tout ce que tu veux. Ah! Ah, je vais avoir accès au trophée. Ben, c'était pas... Mais le mystère, mais il s'infiltre partout chez les méchants. Il faudrait l'engager, Batman. Non, mais imaginez si le mystère serait avec nous. Il rentre partout, il fait ce qu'il veut. Que même Batman ne pourra pas nous stopper. Ah! Mais t'as pas pu t'empêcher de trahir l'épouvantail encore un peu plus. Écoutez, je regrette. Je suis vraiment désolé. Oh non, tu l'es pas encore. Quand la toxine de l'épouvantail remplira ta cellule, par contre là, oui, tu le seras. Oh pitié, non. J'ai vu ce que cette chose faisait. S'il vous plaît, aidez-moi. En neutralisant la mitrailleuse, je risque d'attirer l'attention. Je devrais m'en occuper en dernier. Je vais faire ce que je veux, bitch. Bon. Oui, j'ai traité de Batman de bitch. On empêche Batman d'atteindre le boss. Manquez un seul de ses objectifs. Et je veillerai en personne à ce que vous preniez un grand bol de gaz avec Stagg. Compris? Laisse-moi deviner. Continuez de charger.
Non. Ah, c'est ça. Voilà. Ils ont toutes des guns. En fait, ils en ont toutes des armes. Ils iront même pas en chercher. Notre travail touche à sa fin. Comment je vais faire? Mes calibrages sont presque terminés et le déluge sera bientôt chargé. D'ici là, continuez à m'apporter des cellules d'énergie. Ah! Parfait! Ah, oh, je les aime, ces tuyaux-là! Ah, oh, moi, je vivrais dans ces tuyaux-là. Il pleura encore plus quand Gaz arrivera. C'est ça, quand on essaie de trahir l'épouvantail. C'est pas malin. Mais y'a personne? Non, pitié! Pitié! Laissez-moi sortir! Non, ne me gazez pas! Je peux pas le siffler comme dans Assassin's Creed? Non. Oh là. Perdu. Recherchez les hommes mis hors combat. Y'a rien à faire. Ah. Dispersez-vous et trouvez-le. Oh, c'est comme ça qu'on fait. Faut faire des éliminations silencieuses pour recharger la multi-élimination. Ah. C'est probablement quelque chose qu'ils ont dit au début. Au début du jeu, là, ils nous l'ont sûrement dit. Batman est là. Montrez-lui ce que vous savez faire. Je veux deux équipes. Équipe 1, continue à chercher le déluge. Mais non. Approche-toi. Ça doit être chaud, hein? Ça vient d'exploser. Allez. Ah. C'est dur de savoir il est où Batman, en fait. Non, tu veux pas, hein, les éliminer, Batman. Oh là! Oh là! Ouch! Bitch! Bon, sont où les autres? Ah, y'a le gros, là. Le déluge sera chargé. Ne craignez rien. Je garantis votre protection. Redoutez plutôt ce qui vous arrivera si vous ne terminez pas le chasseur. Fais voir la grille. Je peux pas éliminer. Allez! Allez! Il en faut des coups. Oh, je l'ai eu. Ouh. C'était pas mal au point, Batman, après tout ça. Pas encore. Le déluge. Ah oui, niveau supérieur. J'en ai 5. On va s'améliorer au max pour tout ce qui est. Non, j'étais déjà invincible au bal, hein, théoriquement. Ouais, je m'étais déjà amélioré contre les armes à feu. Ça, c'est quoi? Élimination avec le grappin. Atteignez un rebord, hein? Exécutez une élimination, une élimination par intimidation sur un ennemi proche. Si les ennemis l'entourent, vous pouvez aussi effectuer cette manœuvre à travers une trappe de service. Ah! Attends, je regardais pas la vidéo. Je veux voir. Élimination avec le grappin, je veux voir de quoi ça a l'air.
Ok, pour faire des... Oh, sur les toits. Oh, c'est cool. Attends, je vois. T'as avec le grappin sur les toits. Oh, et c'est malade. Okay, ARB, c'est... Je sais pas c'est quoi, mais je pense que c'est R2. Onde de choc. Ça serait bien. Ça serait très bien. Parce que j'élimine seulement un gars, en fait. Quand j'arrive du ciel. Ah, je l'ai déjà, celle-là. Ah, c'est con. C'est con. Bon. Pas totalement chargé. On va peut-être améliorer la Batmobile un peu, hein, aussi. Attends. Je vois. Ouais, oui, il faudrait. Parce que je... Là, pour l'instant, ça fait un bout qu'on l'a pas utilisé. À cause qu'on est indirigeable, mais. Je pense qu'à un moment donné, je vais me faire avoir. Ok, t'as pas un peu mal à la tête d'avoir passé à travers la vitre? Non, ok, son équipement, il protège trop. Batman, vous allez m'aider, pas vrai? Faites-moi sortir, Batman, s'il vous plaît. Non, je vais te faire sortir juste pour te frapper. Vous devez me Et après ça, je te remets dans le cage. Ils sont cinglés! Vous m'avez menti. C'est votre dernière chance, Stag. La dernière. Je suis plus riche que toi, bitch. Je traite nous aussi de bitch. Écoutez, l'épouvantail m'a contacté. Il avait besoin de mon aide pour le déluge. À quoi il sert? Non. Les laissez pas me toucher. T'es un peu trop tard. Ce foutu déluge, Stag. Dites-moi à quoi il sert. Je ne sais pas. J'en ai partout sur la peau. Ah, ils sont en train de me grimper sur le visage. Ah. Je devrais vous abandonner à vos cauchemars. Ouch. Bon, ben, ça aurait servi à rien. On va aller là. Parce qu'il y a une grosse flèche qui me dit d'aller là. Ouais, ça me paraît plutôt sensé. Ok, c'est maintenant le moment qu'on attendait tous les deux. L'épouvantail est en bas. Veux-tu l'arrêter et sauver Oracle? Ou vais-je encore profiter de ce gaz délicieux pendant qu'elle meurt sous tes yeux impuissants? Comment on décide? Approchez! Venez jouer à trouver le véritable épouvantail. Alors, où est notre premier candidat? Là, c'est sûr que peu importe lequel je prends, ça va être l'autre. Venez tenter votre chance. Quel est... Dommage, Batou. C'est sûr, là. Prévisible à 3000%. De mourir. C'est juste une impression. Ma toxine remplit tes poumons. Elle te noie dans tes plus grandes peurs. Qu'est-ce que tu vois? Une ville qui a sombré dans la terreur? La trahison de ceux en qui tu as le plus confiance? Tes secrets les plus sombres révélés? Gotham regardera pendant que je mettrai en pièces ton esprit. T'es pas beau, hein, les pantalons. J'arracherai ce masque de ton visage et le monde entier. T'es cool, mais t'es pas beau. Peur dans tes yeux. Alors, ils comprendront, eux aussi. Quand tu prends ta douche, ça ne doit pas être fun. Sauveur. Plus d'espoir. Plus de Batman. C'est peut-être... déjà le cas. Allez, on frappe. Regardez-moi. Je déchire grave. Et ce corps, oh, c'est le Joker qui a pris le contrôle balleuse, de Batman. C'est incroyable. C'est le Joker qui a pris le contrôle de Batman. Enfin, on va peut-être pouvoir tuer des gens. Non, ok, j'aime ça. Sans pitié. T'approches pas de moi.
T'as gagné, mais approche pas de moi. Évidemment. Ah oui, t'as gagné. On va voir si j'ai gagné pour de vrai. Extraordinaire. Quelle brutalité. Allez, on frappe. J'espère qu'on le frappe pour de vrai, là. Ah oui, il est pas beau, hein. Il ne vaut pas mieux que le pauvre type qui a tué ton père. Tu dois faire comme tu dois faire. Tu dois l'arrêter. Il sort ce doux. Je ne sais pas. Il capote parce qu'il aurait vraiment pesé dessus. Ce n'est plus pareil. Tu es spécial. À ce stade, je dirais qu'il est encore en chantier. Mais c'est vrai qu'il y a du potentiel. C'est fini. Inutile de courir. Je n'ai jamais dit que j'allais courir. Ah oui. Ah oui. Ah ça c'était cool par contre. Les ailes de la peur. Bon, t'as Alfred qui m'appelle. Monsieur, l'épouvantail diffuse un message dans toute la ville. Il faut que vous voyez ça. Qu'est-ce que ça fait de voir ta ville sur le point de sombrer et tes amis sur le point de mourir? Cette fois, tu as atteint tes propres limites, Batman, et ton échec sera bientôt incontestable. Quand la dernière étincelle de vie quittera son corps inerte, elle saura que c'est toi le seul responsable de son malheur. Bah non, j'ai jamais forcé. Alfred, il a emmené Oracle dans son repère, à Chinatown. Je suis en route. Faites vite, monsieur, je vous en prie. Qui sait ce qu'il va lui faire? Mais comment ils font pour voler? C'est fou, je me pose la question. En tout cas, jeu vidéo. Bon, ben je vais m'arrêter là parce que ça fait 55 minutes. J'avais pas prévu de faire deux épisodes d'une heure chacun. Vous rendez compte, ça fait deux épisodes entiers quasiment. Ben oui, parce que même les mercenaires, les méchants comme ça, ils ont une vie, hein. ils ont une femme et des enfants. Mais ouais, ça fait deux épisodes entiers qu'on est dans ces dirigeables-là. Ça fait du bien d'en sortir un peu. On va pouvoir se promener, se battre un peu avec la Batmobile, ça m'a manqué. Mais tout ça va être au prochain épisode. Donc, si vous avez aimé cet épisode-là, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.